Nouvelle émission, nouvel invité, mesdames et messieurs, bienvenue à ce énième numéro de votre magazine Vérité des Faits. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous renouveler votre confiance à travers ces magazines. Comme annoncé récemment, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a bel et bien amorcé depuis le 2 octobre dernier les consultations avec les différentes couches sociopolitiques du pays, dont l'objectif de créer une union sacrée. Pour en parler, j'ai reçu sur ce plateau, un cadre du mouvement de libération du Congo, aussi de l'AMUKA, cadre d'abord de l'AMUKA. Il s'agit de Michel Mangala, à qui j'ai dit bienvenue. Oui, merci, merci pour votre invitation. Je voudrais un peu rectifier encore là. Je ne suis plus encore au sein du MLC, mais oui, nous avons créé notre parti avec, avec les Congolais, dont je suis le président du parti Éveil populaire. Pourquoi vous avez fait défection au sein Non, ce n'est pas, pas une défection. La défection, là, je pouvais aller dans un autre parti. Mais je ne suis pas allé là-bas. On a créé le parti, toujours pour l'intérêt du Congo et pour l'intérêt des Congolais. Là, c'est dans l'opposition, Mais bien sûr, nous nous militons pour le vrai changement dans notre pays. Parce qu'il y a... Nous constatons que ce dont on avait donné confiance, le peuple avait donné confiance. Il ne faut pas oublier que ces jours-là, ce peuple-là, on chantait plutôt, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Mais ce que nous constatons, il n'y a pas de changement. Ce que nous constatons, la justice, c'est l'état des droits dont on fait allusion. Cet état des droits, nous ne le vivons pas. Le social de notre peuple pose des problèmes. L'insécurité par-ci, par-là, à Kinshasa, à l'est de la République démocratique du Congo, et cela ne peut pas faire que nous nous restons bouchés, fermés. Nous devons dénoncer les mal. Nous devons, ensemble avec notre peuple, changer la gestion de la Respublica. N'oublie pas... que notre peuple veut le vrai changement. Et nous constatons qu'il n'y a pas de vrai changement, il n'y a que des diversions par-ci, par-là, il y a des conflits entre FCC et CACH. Donc, nous, nous mettons notre énergie pour que notre peuple puisse prendre conscience afin de changer les choses dans notre pays. C'est pourquoi nous avons intitulé l'appellation de notre parti « Éveil populaire ». Nous sommes là pour éveiller notre peuple. Éveil populaire, Michel Mangala, nous parlons actualité. Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi ont été reçus par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Fayulu pose des conditions et préalables. Les conclusions initiées par le chef de l'État sont-elles venues violer les divergences des vues du président de l'AMUKA? Oui, je peux vous dire et vous confirmer que cette histoire-là, le président Martin Fayulu ne prendra pas part parce que nous avons constaté que c'est une diversion. La vraie question qui gangrène dans notre pays, on n'a pas fait compte à ça. Et nous constatons que M. Félix s'est allé aux à côté. Or, le vrai problème... Comment les à côté? Parce que ça concerne la République, tout là, Congolais a droit de participer à un quelconque dialogue. Je suis d'accord avec vous. Pourquoi nous disons qu'il est parti dans les à côté? Parce que le vrai problème qui gangrène dans notre pays, qui fait reculer notre pays, mais c'est le fait que Tshisekedi n'a pas fait allusion à ça. Lui présente... C'est lequel? Explicitez-le. Oui, oui. Lui présente la gouvernance. Or, la gouvernance, c'est la conséquence de la crise que nous avons, la crise de la légitimité. Et cette crise-là, tant qu'on ne va pas résoudre, même si on cherche à débaucher dans l'AMUKA, croyez-moi, mon frère ami, le problème va toujours continuer. C'est pourquoi nous nous disons que nous sommes partants de la dialogue. Bon, on peut appeler ça dialogue comme les gens veulent. Consultation comme les gens veulent. Mais nous voulons discuter tout autour de quoi?
tout autour de la problématique de la République démocratique du Congo. Mais non. Pour résoudre des crises qui persistent. Et effectivement, mon frère ami, la crise est là dont vous faites allusion. Tout le monde a constaté qu'il y a crise. C'est par rapport à cette crise de la légitimité qui cause le problème. Ce n'est pas la crise de la gouvernance. J'ai bien dit, la gouvernance, c'est la conséquence, n'est-ce pas, de cette crise que nous avons, la crise de la légitimité. C'est pourquoi vous allez voir que nous, là, nous ne voulons pas faire allégeance à qui que ce soit. Donc vous, vous soutenez Martin Fayulu dans cette démarche. Mais pourquoi pas? Parce qu'il pose des conditions qui sont vraies. Quelles sont ces conditions? Mais quand je parle de la crise de la légitimité, je pense qu'il y a eu un plan proposé par Martin Fayulu, le plan de sortie des crises. Notamment les dialogues. Non, pas les dialogues. Le président légitimement élu a proposé, il a dit pour terminer avec, avec la crise, allons dans les élections anticipées. Mais avant d'aller dans ces élections anticipées, il faut d'abord réformer ces institutions. La CENI, la Cour constitutionnelle et tant d'autres institutions. Mais c'est ce que le président de la République est en train de faire. Il a entamé avec lui, la constitutionnelle. Lui, ce qu'il fait, il veut retirer le beefsteak dans la bouche de M. Kabila pour le faire les siennes. Ah bon? Mais par contre, on devait retirer ces gâteaux-là, ces beefsteaks-là, dans la bouche de M. Kabila, pour remettre ça au peuple. Il y a une guéguerre entre M. Kabila et M. Félix Tshisekedi, donc, entre FCC et CACH. Pour M. Félix Tshisekedi, la crise est au niveau de leur coalition. C'est pourquoi il faut débaucher auprès de la Mouka pour avoir cette légitimité. Mais là où nous nous disons non, il faut tabler sur le vrai problème qui est cette crise de la légitimité, puis résoudre les problèmes de la légitimité et faire des réformes institutionnelles afin de sauver notre pays. Mais c'est les journalistes. La vérité est têtue. Parce que beaucoup beaucoup de nos compatriotes a été trompés, mis à mal. Quand nous parlons de la vérité des urnes. La vérité des urnes, mon frère, ce n'est pas que la politique des hautes et toi, je m'y mets. C'est devenu comme votre slogan. La vérité des urnes, c'est l'article 5 de notre Constitution. Et c'est devenu comme votre slogan. Effectivement, il faut que les élections sont passées. Il faut que notre peuple récupère son pouvoir qui a été longtemps confisqué. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quand vous parlez que la vérité des urnes est comme notre slogan, mais ce n'est pas le slogan « Vérité des urnes ». C'est la réalité que le peuple doit avoir pour choisir des vrais dirigeants. Le dirigeant sérieux, honnête, qui peut rendre le service à l'État, à la nation. Félix Tshisekedi n'est pas le vrai dirigeant sérieux. Mais écoutez, lui-même, c'est un problème. Comment dirais-je un problème pour se résoudre, donner la solution au problème? Comment ça? Mais monsieur Félix Tshisekedi, vous le savez, comment il a été désigné là? Ce n'est pas à cacher. Monsieur Félix Tshisekedi a été nommé. Vous voulez qu'on dise ça quoi? Comment? Il a été élu par la population. Non. Aux élections de décembre 2018, bien évidemment. Mais c'est les journalistes. Est-ce que vous avez lu l'opinion dissidente magistrat Wasenga? Vous avez lu son opinion dissidente. Les preuves même que le président Martin Fayulu avait déposées à la Cour constitutionnelle, on n'avait même pas regardé ça.
On n'avait même pas regardé. Ils ont mis ça dans leur cachot, dans leur tiroir. Et on a proclamé. C'est ce qu'on a proclamé. N'oubliez pas. On revienne dans l'actualité. N'oublions pas. Oui, je termine par là, messieurs les journalistes. Mm-hmm. N'oublions pas que M. Félix Tshisekedi et M. Kabila, ce sont... On ne peut pas leur séparer. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous appelons ça la diversion. Parce qu'on veut dévier la tension de notre peuple ailleurs. N'oubliez pas que notre peuple était regardant sur la question de Minembwe. Votre peuple. Notre peuple. Votre peuple a voulu l'opposition. Notre peuple. Non. Ici, il n'y a pas... D'ailleurs, nous ne sommes pas dans l'opposition. Nous ne sommes pas dans l'opposition. Mais comment ça passe, puisque nous sommes en train de résister. La vérité des urnes. Oui, la vérité des urnes. Donc, vous êtes dans l'opposition. Ce n'est pas l'opposition. Mm-hmm. Soyons clairs là-dessus. Vous vous opposez la victoire de notre peuple de décembre 2018. La victoire de notre peuple a été confisquée. Nous résistons par rapport à ça. Et vous avez suivi le président légitimement Élie Martin Fayoulou dire que nous puissions aller, n'est-ce pas? Nous puissions aller aux élections anticipées. Mais pourquoi on ne veut pas que nous puissions aller aux élections anticipées? Pourquoi on refuse? N'est-ce pas? Pourquoi on ne veut pas tabler sur la question des réformes institutionnelles? La question de Minembwe, qui reste encore quelque chose de flou, que les gens ne comprennent pas. Et on veut maintenant dévier l'attention des gens pour que les gens s'intéressent dans cette histoire. Du comment on appelle ça encore, les hauts conseils là qui sont en train de créer, comment on appelle ça encore, les gens s'intéressent à l'union sacrée, voilà, l'union sacrée, oui, les gens s'intéressent pour sauver la nation, pour sauver la nation à ce qu'est réel. Croyez-moi, cette union sacrée, ça va s'aboutir à rien. Comment ça? Mais je vous dis, vous voulez diaboliser, diaboliser. Non, vous avez suivi Théodore Ngoï. Quand M. Tshilombo l'avait accueilli, c'était hier, dans ses conclusions, quand il a parlé de la presse, plutôt, il a dit, après avoir recevoir tout le monde, il va recevoir l'autorité morale du FCC. Or, ils sont en alliance, les deux. Mais, à la fin, ils vont se rencontrer eux-mêmes pour harmoniser. Dites-moi, est-ce qu'il y aura quelque chose de sérieux qui va sortir dans cette l'union sacrée là qu'ils cherchent à faire? Nous sommes d'accord et nous sommes partants. Si on met des vraies questions qui font reculer notre pays, au lieu d'avancer, nous reculons. Et la question, la vraie question que... Mais c'est les journalistes qui sont en train de vous dire. C'est cette crise de la légitimité qui cause des problèmes. Et nous voulons, les discussions devaient être là. C'est ça l'article 5 de notre constitution. Quand même, on a cherché à nous diaboliser, que nous sommes les aînés, que nous sommes les tribales. Tout ce qu'on a dit. Mais aujourd'hui, nous sommes où? On donne raison à Martin Fayoulou. Mais pourquoi on ne veut pas courir à toutes ces propositions que Martin Fayoulou a faites, à toutes ces propositions que le président légitimement élu avait faites. Michel Mangala, d'aucuns sont surpris que les leaders de la Mouka qui ont rejeté Félix Tshisekedi à Genève s'approchent aujourd'hui de lui. Est-ce qu'on peut dire que c'est Félix Tshisekedi qui avait raison par rapport au retrait de sa signature à l'accord de la Mouka? D'abord, quand vous me posez la question que les leaders qui étaient... Puisque nous voyons Jean-Pierre Bemba, c'est un grand leader, et également Moïse Katumbi. Mon frère, vous devez savoir une chose. Que chacun est libre de poser ses actes. C'est la fin de la coalition de la Mouka? Non. La Mouka, c'est le peuple. La Mouka, l'esprit qui anime la Mouka, c'est le peuple congolais.
Ces peuples-là, ce sont eux qui avaient créé la Mouka. C'est le peuple, c'est le même peuple qui a accueilli Moïse Katumbi à l'aéroport. Non, là, je vous dirais que c'est l'IDPS qui est parti. Ah bon? Oui. C'est l'IDPS qui est parti là-bas pour soutenir Monsieur Katumbi. C'est la fin de la coalition la Mouka? Non. La Mouka va prendre fin si aujourd'hui notre peuple dit que nous voulons plus encore être membres de la Mouka. Nous refusons à être le créateur de la Mouka. C'est à ce jour-là que la Mouka prendra fin. Mais c'est les journalistes. Mboussa Nyamusi a quitté la Mouka. Est-ce que la Mouka avait pris fin? Comment il s'appelle encore? Mboussa Nyamusi et Matungulu. Matungulu avait quitté la Mouka. Est-ce que la Mouka avait pris fin? Aujourd'hui, on peut débaucher dans la Mouka. Mais la Mouka va exister parce que le peuple est là. C'est le peuple qui dirige la Mouka et c'est le peuple qui conduit la Mouka. Puisqu'on parle de la Mouka, c'est se réveiller. Pourquoi vous allez vous réveiller contre qui? C'est réveiller contre qui? La Mouka, c'est comme l'appellation dit. La Mouka. De la Mouka des gens depuis Genève. Bon, la Mouka la nani. Mais les gens qui ont confisqué le pouvoir de tout un peuple. Et c'est ce jeu-là. Je vous dirai encore, je peux encore peut-être vous décevoir. Ah, décevoir les téléspectateurs, la population qui... Non, la population sera contente. Parce que les choses que je suis en train de dire, je dis vrai. Monsieur Kabila et Monsieur Tshilombo n'ont pas de problème. Il ne faut pas faire tromper notre peuple. Le problème, c'est qui? On cherche à diviser. On cherche à faire le débauchage au sein de la Mouka. C'est pourquoi vous êtes en train de voir cette histoire de Union Sacrée. Ils sont dans la démarche de faire le débauchage. Vous comprenez? Alors, il faut amener maintenant les gens ailleurs, les tensions des gens ailleurs. On fait comme si Kabila et M. Tshilombo, FCC et Cash sont en conflit. Mais en réalité, il n'y a pas conflit. Ici, on nous dira que M. Félix prend la décision pour le président dire de la République qui, vous êtes libre, moi je suis. Il nous a donné l'exemple en 2011. Il ne reconnaissait pas l'autorité qui était aux affaires pour diriger la Respublica. Mais nous, aujourd'hui, on ne lui reconnaît pas. C'est mon droit. Allez-y. Je ne lui reconnais pas. Allez-y, Michel Mangala. Je voudrais dire tout simplement que M. Kabila et M. Tshilombo ne sont pas à conflit. C'est la diversion pour dévier les tensions des gens. Les gens croient que FCC et Cash sont en crise. Mais en réalité, il n'y a rien. S'il y avait crise, mais Olive Lembe ne devait pas sillonner l'Est là. Mais à l'heure actuelle, on devait entendre que les dignitaires du FCC commencent à traverser Brazzaville. Mais ils sont là à l'aise, ils circulent, ils font tout. La femme de Joseph Kabila était à l'Est là-bas en train de faire des meetings. Mais ici à Kinshasa, on nous fait croire qu'il y a crise. Et je répète encore ce que j'ai dit, croyez-moi, ces consultations-là n'aboutira à rien et les gens seront dessus. Michel Mangala, nous continuons avec cette thématique. Est-ce que le fait que l'FCC rejette les consultations initiées par le chef de l'État Félix Tshisekedi, vous le voyez dans l'opposition, le FCC? Nous sommes dans la résistance. La Mouka est dans la résistance. Puisque le FCC n'est pas la Mouka, mais la Mouka, FCC. Non, FCC au pouvoir avec Cash. FCC sont en alliance avec Cash. Mais pourquoi les séparer? Ils sont un. Puisqu'ils ne sont pas parfaits. Alors, la divergence
entre les gens qui sont en coalition, ça ne nous intéresse pas. Ce sont leurs divergences entre eux. Mais nous, nous voulons discuter sur des vraies questions qui gangrènent, qui touchent la République. Vérité des urnes. Mais écoutez, écoutez mon frère ami, il n'y a pas que vérité des urnes. La vérité des urnes, c'est ça l'objectif à atteindre. Pour que le peuple récupère son pouvoir qui a été confisqué. Les par la volonté mais aux des... élections présidentielles, aux élections présidentielles de 2023. Bien sûr. On va faire ça comment? Ouais, mais c'est les jeunes, on va faire ça comment? C'est à moi de vous poser cette question. Mais écoutez, en tout cas, je vais encore vous décevoir. En 2023, il n'y aura pas des élections. Vous savez que pourquoi j'ai dit ça, il n'y aura pas des élections? Parce que la manière dont ceux qui sont en alliance sont en train de faire, ça n'assure pas les gens. Et d'ailleurs, avant d'aller aux élections, il faut résoudre d'abord le problème qui gangrène la République. Le problème des réformes. Messieurs les journalistes, allez-y. Je vous dis, la vraie question qu'on doit résoudre, c'est la question de la légitimité. Et on ne peut pas seulement résoudre cette question. Pour résoudre cette question, il faut commencer d'abord à faire des réformes institutionnelles. C'est là où il y a des problèmes. Vous avez suivi l'audio de Mende, qui avait dit à son temps, parlant auprès de ses députés, qu'il faut sauver le juge de M. Kabila. C'est ça qui cause le problème. Et Tshisekedi a eu peur, mais c'est Tshisekedi a eu peur. Il a voulu maintenant marcher même contre la Constitution pour mettre maintenant au sein de la Cour constitutionnelle ces éléments, ces juges. Ce sont des juges pour protéger le pouvoir de M. Tshisekedi. Mais nous avons besoin des juges ici, des réformes institutionnelles. Ce juge-là donnera des réponses aux questions des Congolais. Et nous aurons des résultats durables. Voilà notre démarche. Nous ne courons pas pour le pouvoir rien que pour le pouvoir. Laissez les gens qui courent pour le pouvoir, rien que pour le pouvoir, courir, aller se faire consulter, laissez-les partir. Mais nous, nous sommes là pour le peuple, pour sauver notre nation. C'est ce que Félix est en train de mener comme démarche pour sauver la nation, la consultation, l'union sacrée de la nation. Il ne saura pas. Il ne saura pas donner des réponses aux questions. Ah, c'est Lamouka donc qui a des réponses pourquoi, aux questions. Pourquoi c'est Lamouka? Pourquoi, monsieur le journaliste? Parce que monsieur Félix Tshisekedi, il est le problème. C'est lui le problème. Est-ce que vous croyez que celui qui est le problème donne des solutions durables au problème? Vous croyez à ça? Et pourtant, des vraies questions qu'on devait tabler, on n'a pas tablé sur ça. Et nous sommes allés sur les à côté. J'emprunte votre thème, vous les journalistes. Ils sont allés vers des à côté. Écoutez. Si vous voulez tuer l'arbre, vous ne pouvez pas casser les étapes. Si vous cassez les étapes, il y aura d'autres étapes qui vont naître. C'est ce que M. Félix est en train de faire. Si nous voulons tuer l'arbre, il faut déraciner. Il faut tabler sur le vrai problème. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore tablé sur le vrai problème. Donc, toutes ces consultations, mon ami, croyez-moi, vous allez m'appeler un autre jour, il y aura ceux qui vont, ceux qui seront dessus sur la question des consultations, sur cette histoire de l'union sacrée. Croyez-moi, on va débaucher au sein de Lamouka. Et ça ne sera pas la fin de Lamouka. Lamouka, c'est le peuple. Comme Lamouka, c'est le peuple, ce peuple-là, seront exigeants et jusqu'à ce que
on va trouver des bonnes solutions pour la République. Et l'amour qu'elle a pour Michel Mangala, Michel Mangala, est-ce que les consultations nationales initiées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, viennent une fois de plus réveiller au grand jour le malaise au sein de l'AMUKA? Non. Nous sommes en train de dire, et je répète ce que j'ai dit, chers journalistes, croyez-moi, nous sommes très à l'aise. Parce que nous savons, là où ils sont en train de partir, parce que la vraie question, on n'a pas résolu. Donc vous aussi, vous voulez lancer votre démarche à vous, les consultations? Non. Elle est faillule, c'est ça? Non. Nous ne lançons pas le démarche. Mais nous, nous voulons... que puisque, nous puissions discuter sur des vraies questions de la République. Déclaration. Lissanga Bonganga a fait cette déclaration. Je n'ai pas entendu ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il avait dit? Je n'ai pas entendu ça. Qu'est-ce qu'il avait dit? Que le président Martin Fayulu va organiser ses consultations à lui. Écoutez, le président Martin Fayulu, c'est le président élu. Il a une large manœuvre à faire parce que ce peuple-là, notre peuple a de l'espoir en lui. Il compte sur lui, Martin Fayulu. Mais il peut communiquer avec son peuple en tout moment. Et soyez-en sûrs, il va communiquer avec notre peuple. Et ces jours-là, moi je vais vous inviter. Je vais vous inviter pour que vous venez suivre ce que le président va dire. Mais ce que nos amis sont en train de faire, ils gaspillent l'argent de la République inutilement. Parce que nous, nous refusons d'accompagner les individus. Nous, nous sommes partants d'accompagner notre peuple jusqu'aux victoires finales. Enfin, que ce peuple-là puisse récupérer son pouvoir qui a été confisqué. Je vous parle de l'article 5 de notre Constitution, mon ami. Le pouvoir, la souveraineté appartient au peuple. Ce que nous demandons, la vérité des urnes, comme je vous ai dit, c'est l'article 5 de notre Constitution. La vérité des urnes, mon cher ami, ce n'est pas la politique des hautes et toi, j'y m'y mets. Non. Et d'ailleurs, le président Martin Fayulu a bien dit, allons dans l'élection anticipée. Mais avant d'aller, réformons d'abord ces institutions-là d'appui à la démocratie. Mais rien qui s'est fait aujourd'hui, on dévie les choses pour distraire les gens avec cette histoire des lignes sacrées. Très bien, M. Mangala, votre dernier message, parce que nous sommes presque à la fin de cette émission. Je suis très, très ravi. Un dernier message à la population. Oui, je suis ravi et très fier de vous, de me faire cette confiance, de parler avec notre peuple. Je crois que notre peuple l'a compris et ils vont agir dans le sens de récupérer son pouvoir qui a été confisqué par la volonté des individus pour garder, conserver ce pouvoir contre la volonté de ce peuple-là. Merci Michel Mangala d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes porte-parole, président. Président du parti Éveil Populaire et communicateur Lamuka. Voilà. Michel Mangala, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné à ces jours. Je vous remercie. On se retrouve à la prochaine avec le même plaisir. Bye bye.